me revient en mémoire le temps de mon enfance, lorsqu'après une journée d'efforts et de jeux, nous faisions cercle, mes camarades et moi, autour de ma grand-mère, pour l'écouter sous le clair firmament nous conter des histoires. Elles étaient souvent drôles, parfois graves ou tristes, et quelquefois laissaient dans nos âmes comme un sentiment de nostalgie. Elle recelait toujours un enseignement caché qui se révélait au fil du récit. Lorsqu'il était achevé, nous avions pris sans nous en apercevoir comme une leçon de vie. Une petite lucarne, ouverte sur les autres et sur l'apprentissage du bonheur. Par la magie de sa voix, elle nous emmenait dans d'éblouissantes savanes. Elle nous accueillait dans de mystérieux villages, perdus dans de vastes forêts. Elle nous promenait dans des déserts infinis. Comme sans doute tous les conteurs, ma grand-mère commençait toujours ses histoires par « Il était une fois ». C'est ainsi qu'il était une fois, perdu au plus profond d'une immense jungle, des animaux de toute espèce qui auraient vécu en parfaite harmonie si un féroce lion n'avait quotidiennement dévoré l'un d'entre eux. Lassé de sentir cette menace permanente et de craindre au réveil de ne pas atteindre le soir, ils décidèrent de proposer au lion de lui fournir chaque jour une proie qui serait tirée au sort. En contrepartie, celui-ci devrait s'engager à renoncer à la chasse. Tous les animaux se mirent donc en route. En tête du cortège, volait le rossignol à la voix enchanteresse qui adoucirait le félin. En queue, les escargots et les tortues. Autant dire que le voyage fut fort long. Lorsqu'enfin ils atteignirent la tanière du lion, l'oiseau lui proposa. Monsieur le lion, que diriez-vous d'un repas quotidien, livré à domicile, à heure fixe, qui vous dispenserait de la contrainte de vous le procurer? Le lion répondit sans hésitation. J'ai trop longtemps été dupé par de vaines promesses. De plus, j'aime à me nourrir par moi-même. À la surprise s'ajoute le plaisir de l'effort. Non, décidément, je décline votre offre. Les animaux insistèrent. Seigneur lion, il n'arrive que ce que le destin ordonne. Souvent, les efforts sont vains. Nous vous promettons de respecter notre pacte et chaque jour, vous recevrez votre gibier sans aucune fatigue. Mais, objecta le lion, la vie consiste à lutter pour sa subsistance et le fatalisme n'est qu'un mauvais prétexte pour paresser. Ma nature n'est-elle pas de traquer mon gibier et votre destin n'est-il pas d'être ma pâture? Le lion songea qu'il était déjà fort vieux et que ses forces diminuaient. D'après un long silence, il accepta finalement cette retraite sereine et le pacte fut signé. Chaque jour, un malheureux animal était sacrifié pour servir de pitance au lion, jusqu'à ce que le sort désignât un lièvre qui proposa à la compagnie de mettre fin au terrible tribut qu'elle devait verser. L'assemblée se moqua de lui. Comment ? Toi, petit et malingre, tu prétends venir à bout de la férocité du puissant lion ?
Le lièvre répondit, je suis certes bien faible face au robuste fauve, mais la force n'est pas tout. Ce sauvage animal ne peut récolter le miel que la légère abeille recueille en butinant les fleurs. Pas plus que l'éléphant ne fabriquera jamais le coton dont s'enveloppe le ver à soie. Je suis chétif, mais je ne suis pas sot. De l'imagination, un peu de réflexion, une assez solide intelligence alliée à un tempérament rusé vaincront les muscles du lion tyrannique. Et comment t'y prendras-tu? Devrons-nous t'aider? Lui demanda-t-on. Je dois agir seule et tenir mon plan secret. Votre participation pourrait nuire à mon projet. Là où un oiseau solitaire passe, seul, sans difficulté, trois oiseaux attachés restent figés au sol. Et Et si je vous révélais mon plan, qui me dit que le lion ne l'apprendrait pas? Il faudrait déjà que je ne vous le révèle pas. Les animaux décidèrent donc de laisser le lièvre agir à sa guise. Ce dernier s'attarda en chemin. Le lion, impatient, estima avoir été trompé, maudit sa paresse et se reprocha d'avoir confié à d'autres le soin de sa nourriture. Comme il remuait ses pensées, le lièvre apparut soudain craintif et apeuré. À sa vue, le lion rugit de rage. Quoi ? À moi, qui puis avaler un bœuf ? Qui ai combattu victorieusement des bêtes féroces ? On me livre pour tout repas ce petit lièvre ridicule ! Oh non, 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 s'écria le lièvre. C'est un camarade bien plus gras et plus copieux que moi qui vous était destiné. Mais un lion qui s'est prétendu le roi de cette jungle s'en est emparé sur le chemin qui nous menait chez vous. Partez, seigneur lion, protégez-nous de lui, éliminez-le. Le lion accepta, tout en menaçant le lièvre de le dévorer sur place s'il s'avérait qu'il lui avait menti. Le lièvre le conduisit alors vers un puits dont les eaux luisaient comme un miroir étincelant. À quelques mètres, il s'approcha et s'arrêta, pâle et haletant, et chuchota. Votre rival loge en ce puits où il retient votre dîner. Va et vérifie qu'il soit bien là. Oh non, 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 j'ai bien trop peur. Permettez que je me dissimule entre vos redoutables pattes. Tous les deux s'avancent, s'appuie sur la margelle du puits et regarde l'eau scintillante. L'animal y voit l'image d'un lion tenant un lièvre serré entre ses griffes. Sans hésiter, mu par son seul orgueil, il plonge dans le puits et se noie. La vanité a brouillé son regard et l'a conduit à la mort. Le lièvre courut apporter la nouvelle de la disparition du lion à ses amis. Bye.
racontait, elle nous chantait une berceuse. Dans des temps très anciens, un persan cheminait sur la route de la soie, fidèle à la parole du prophète qui avait dit que pour la recherche de la vérité, il ne fallait pas hésiter à se rendre au loin, jusqu'en Chine même. Hey, hey, hey.
Il progressait depuis déjà longtemps sous un soleil qui écrasait les êtres et les choses, quand, recru de fatigue, il s'arrêta. Son âne harassé haletait à terre. Soudain, des voix lui parvinrent qu'il attribua à un mirage. Mais comme les sons persistaient, il comprit bien vite que les voix étaient réelles. Dans un ultime effort, le chercheur de vérité et son âne atteignirent un monastère où ils furent bien accueillis. L'homme put se reposer et l'âne fut amené dans une confortable écurie. La misère régnait au monastère et on ne savait comment on allait nourrir les nouveaux venus. Un compère malicieux suggéra de vendre l'âne et d'organiser un banquet en l'honneur de leur hôte. À l'issue de longs débats, l'âne fut mené au bazar pour y être vendu. Avec les fruits de la vente, on acheta des victuailles à profusion. Le voyageur, associé à la fête, fut l'objet des attentions les plus délicates. Pour clore les festivités, on entonna un chant spirituel dans lequel un moine farceur avait intégré ce refrain. Depuis que cette âne est partie, il y a fête et joie ici. Si l'on danse, si l'on rit, il est vrai que c'est grâce à lui. Thank you.
Le pauvre chercheur de vérité trouvait à ses vers un sens symbolique qui lui échappait. Il dansait si frénétiquement en chantant à tue-tête qu'il ne comprit pas les paroles du palefrenier qui tentait de l'avertir de la terrible plaisanterie dont il était victime. Le lendemain, sur le départ, il remercia les moines pour leur accueil et cette joyeuse fête et s'en alla chercher son âne afin de reprendre sa route vers la Chine en quête de vérité. Une fois à l'écurie, lorsqu'il demanda que son âne lui soit rendu, on lui annonça qu'il avait été vendu. Le pauvre homme se lamenta. Pourquoi ? De quel droit mon âne a-t-il été vendu, mon seul bien ? Voici quelle fut la réponse du palefrenier. Hier soir, à plusieurs reprises, je me suis approchée de toi. Quand je t'ai dit que ton animal avait disparu, tu m'as répondu en chantant « Depuis que cette âne est partie, il y a fête et joie ici. » Mais quand je t'ai dit qu'il avait été vendu, tu m'as répondu en criant « Si l'on danse, si l'on rit, il est vrai que c'est grâce à lui. » J'en ai naturellement conclu que tout avait été fait avec ton plein accord. Et c'est ainsi, pour ne s'être inquiété de rien, pour avoir imité sans comprendre et répété des paroles pour lui, obscur, que notre chercheur de vérité repartit à pied sur la route de la soie vers la lointaine Chine. Elle entonnait ensuite cette berceuse. Thank you.